Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous parler et vous dire que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons toujours vous prier et vous demander de rester très très courtois dans vos commentaires. Mamadou Doumbouya à l'Assemblée générale des Nations unies. Les choses se précisent. Pour plus d'informations relatives à ce sujet, notre correspondant à Conakry vous en dit plus. Le président de la transition guinéenne est attendu à New York pour prendre part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à quelques jours la semaine des hauts niveaux. Du 19 au 26 septembre prochain, une partie de la délégation guinéenne est déjà arrivée sur place. Le patron de la diplomatie guinéenne, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, lui quittera Conakry dans les prochaines heures. Le départ du président Mamadi Doumbouya pour les États-Unis devrait, sauf changement de dernière minute, intervenir le 17 septembre 2023. Un projet de discours qu'il devra tenir a été préparé dans ce sens. Discours qu'il tiendra à la tribune des Nations Unies, l'espace de discussion multilatéral unique du débat de l'Assemblée des thèmes couvert par la Charte des Nations Unies. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez toujours abonné et scotché à votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Partagez avec vos amis, familles, reconnaissance, plateforme intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.